Approchez au fond. Donc j'ai le même contrôle au départ, vas-y. Essaie de se sauver. J'appuie fort avec mon coude. Ah, ça contrôle bien. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, je vais venir avec ma deuxième main attraper son poignet. D'accord. Voilà. Et avec ma main qui est en dessous, je viens attraper mon poignet. D'accord. Vas-y, essaie de te sauver. Là, j'attrape son poignet et le mien. D'accord. Et vous voyez, je commence à me redresser. Là. Et je vais passer ma jambe au-dessus pour faire jujigatame. Vas-y, essaie de se sauver. J'attrape son poignet, j'attrape mon poignet, je me redresse et je passe bien la jambe ici. Ensuite, je vais partir en jujigatame. D'accord. Déjà là, ça lui fait mal un petit peu. Hein. D'accord. Je vais venir coller mon pied dans son dos. Là, et je m'assieds. Donc, je suis collé à elle, hein. Je ne fais pas d'espace. D'accord. Et maintenant, pour faire les taux, j'appuie sur son poignet ici. Et là, je remonte. Là, ici. Vous voyez, en général, ça lâche ici. D'accord. Et là, je pars sur la pluie. D'accord, elle est ici. Vas-y. Donc, j'appuie sur son poignet, j'appuie sur le mien. Je pousse avec mon ventre. D'accord. Et je vais pousser légèrement par là. Voilà, ça fait glisser sur la pluie. Ici. Là, une fois que c'est décroché, hop. Je serre bien mes jambes. D'accord. Je suis collé à elle. Son petit doigt, il est vers moi. Ici. Et là, je fais la clé. Les clés. Tout doux. Dès que vous sentez le bras en extension vous frapper, ne cherchez pas à résister, c'est stupide, vous allez vous faire mal. Elle abandonne en frappant avec ses pieds ou avec la main qui est venue.